vraiment un tout petit. Alors, peut-être pour du point de 6. Beaucoup de méditations qui ont pris comme ça les thèmes de la nature. Ils jonglent entre les significations, les symboles qu'on a toujours eu. Et l'arbre y est pour l'enracinement. La longévité, le fait de rester droit malgré le vent, tempête. C'est vrai que c'est intéressant parce que du coup ça a été repris pas mal donc par la méditation, toutes ces symbolisations. Et pourquoi? Tout simplement parce que ça permet aux humains d'avoir une sorte de cible pour s'aider à visualiser en fait. Que la visualisation d'un état ou d'un souvenir n'est pas simple pour tout le monde. Et donc, quand on parle de symbolisation ou de, ouais, de simplement de signification de choses, avec un modèle qui existe dans la tête de tout le monde. Et du coup, ben, on est sûr de parler à la personne, quoi. Et du coup, alors, je sais pas si c'est lié avec la symbolisation, mais j'adore dessiner des arbres. Et ils sont tous différents. Ça, j'ai des périodes d'arbres. Complètement différente. Là, c'est la première fois que je fais celui-là, tiens. Je sais pas, c'est quelque chose qui me détend énormément de dessiner un arbre. Vraiment partie de un truc qui me touche, les arbres. D'ailleurs, je dis toujours que mon lieu de vie idéal, c'est un lieu où on a des arbres, la pierre, de l'herbe et de l'eau. J'adore. J'aime avoir tout ça à proximité. Très dur pour moi quand il n'y a pas l'un ou l'autre. Paysage sans arbres, pour moi, c'est triste. C'est comme s'il faisait le mouvement vertical de tout le paysage. Voilà. Allez, je vous laisse avec ça.